il faut l'enfermer. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast NBA Extra qui est aujourd'hui avec monsieur Jacques Monclar. Oh, avec Jacques, ça suffira. Bonjour Baptiste, bonjour à tous. Je me suis emporté. Oui, un peu. C'est vendredi. Voilà, c'est ça. C'est le début du week-end presque, avec un beau week-end qui nous attend d'ailleurs sur Bein Sport. On va d'ailleurs plutôt revenir, nous, sur cette belle semaine qu'on a eue, avec d'abord du Ja Morant, qui nous a quand même assez impressionné, notamment contre Brooklyn en milieu de semaine, avec ses fameux 360 lancés en lay-up. Il nous impressionne toujours autant. Et moi, je voulais... On reviendra plus globalement sur son début de saison, qui est pas trop mal. Mais sur ce côté aérien de Ja Morant, qui est quand même presque finalement atypique pour un meneur de jeu en NBA, il impressionne. Physiquement, le jump, la vitesse... Alors, le 360, c'est-à-dire faire un tour complet sur soi-même avec la balle en main, on le connaissait, mais plus verticalement. Ouais. Alors que les mecs arrivaient, faisaient un power, s'appuie de pied, blam, ils tournaient. Ouais. Un peu concours de dunk, quoi. Un peu concours de dunk. Là, alors, on en avait vu des pas complets de fait, mais pas loin, Jamal Murray, en match. C'est vrai. Et là, Ja Morant nous en a fait deux à la suite, un par le côté, un de face, avec finition main gauche absolument sublime et le 360 complet, mais plutôt horizontal. Ça veut dire que le temps de vol, le hang time, est absolument pas inhumain, puisque c'est un homme, mais très étonnant, invraisemblable et magnifique. Sa place, on a l'impression qu'en fait, il a le temps de réfléchir exactement à ce qu'il va faire, et puis là, quelle main... Il a une proprioceptivité, il a un contrôle corporel absolument fantastique, et un contrôle technique absolument fantastique, avec la possibilité de finir des deux mains. Lui, c'est typiquement le joueur qu'on paye pour voir jouer. Exactement. Ça fait d'autant plus plaisir de le revoir après ses déboires. Il est unique. Alors, il va donner envie à des gosses d'essayer de le faire, même s'ils en font que la moitié, ce sera pas mal. Il est en train de se développer un petit peu. Et c'est de mieux en mieux. Chaque année, même s'il a été arrêté, son shoot externe. Parce qu'il n'est pas non plus cantonné à ce genre de choses. Parce que souvent, ces joueurs-là, qui sont un petit peu fantasques et très aériens, sont des joueurs de concours de dunk. Lui, il a ce côté vrai meneur aussi. Je monte dans le trafic au milieu des arbres. Et c'est finalement l'opposition qui va faire... C'est le jeu qui va faire le mouvement que lui va faire. Et c'est ça qui est formidable avec ce petit bonhomme. C'est pas le meilleur gestionnaire de jeu pour l'instant. Il est encore jeune et il a quand même cette instabilité à l'extérieur du terrain. Je vais le dire ce que je pense. Je pense que le boulet principal de son début d'année, carrière, ça a été son père. Qui est trop bruyant, trop ceci, trop cela. Encore un père... Et puis lui, les fréquentations, il a quand même fait n'importe quoi avec les guns, avec tout ça. Ouais. Il s'est mis un peu en péril tout seul. Et c'est bien qu'il revienne, c'est bien que Memphis ait récupéré aussi le 3J, Jaren Jackson Jr. Il leur manque encore Marcus Smart et Desmond Bane. Mais bon, ils arrivent à gagner des matchs et lui, il régale. Et ils ont gagné. Ils vont être au minimum play-in. Pour l'instant, ils sont 9e avec. Mais ça va remonter un peu. Victoires. Tout ça. 9e avec 4 victoires, ils sont à égalité avec les Lakers alors. Ils sont un paquet de 9e. Ça veut rien dire. Non, ils sont dans le coup, quoi. Ouais. Pas tout à fait, pas en play-off direct pour l'instant, mais en play-in. Voilà. Ja Morant, au-delà de ses initiales que j'aime bien, c'est un phénomène. C'est un phénomène de foire et c'est un régal de le voir. Je voulais vous refaire replonger un peu dans les archives et dans toute la NBA que vous avez vue. Est-ce qu'on a déjà vu des joueurs aussi avec autant de détente, oui,
Mais c'est plus voilà, dans le jeu, dans, dans la façon... obligatoirement des meneurs. Le meneur qui a eu le plus de détente, c'était Spudweb. Spudweb, hein. Mais ce n'était pas un joueur du calibre de Jamorant. Derrick Rose en meneur, hein, peut-être un petit peu. Ouais, mais plus vertical, plus tranché, puis plus physique. Non, moi, il me rappelle un peu Iverson. Il me fait penser à lui aussi, même s'il shooter, avait moins de tête de détente. Mais... Ouais, il restait longtemps en l'air, il collait des dunks. Ouais. Parce que ce qu'on oublie, là, on parle des arabesques, des 360. Jamorant, il a quand même postérisé des big men de manière redoutable. Hein, je vous laisse aller vérifier. Je crois que même Wembanyama y est passé l'année dernière. Il n'est pas très connu, mais... Bien possible, oui, oui. De toute façon, il s'est pris un poster. Après, il n'y a aucune honte à prendre un poster. Hein. Non, mais il y en a très peu qui l'ont fait sur Wembanyama. Il y a Trace Jackson Davis qu'on avait causé. Lui, c'est le plus connu pour l'instant. Le rookie des Warriors de l'année dernière. Main gauche, là récemment, il en a pris un aussi par un bon babar qu'il avait fait reculer d'un mètre. Ça arrive d'en prendre. Hein. T'en donnes, t'en prends, c'est comme le reste. Bon, en tout cas. En tout cas, on est content d'avoir Ja de retour. Ça fait plaisir, parce que quand même, l'année dernière, ça a été compliqué. Il y avait vraiment une saison blanche. Un an et demi, ouais. Mais il avait quand même fait 61 matchs il y a deux ans. Il y a eu la suspension. Qui avait plus cassé beaucoup de choses dans la tête, dans la perception du public. C'est difficile, hein, quand on franchit la ligne jaune comme il l'avait fait. Avec en plus, je sais que ça va vous parler, Tuomas Izalo, l'ancien coach de Paris Basket, qui a remporté son premier match en tant que A fait le métier. Tyler Jenkins qui était... Tyler Jenkins était absent et il s'est retrouvé propulsé, comme a été propulsé Mitch Johnson pour les Spurs. Et il a gagné son match, voilà. En même temps que son ancienne équipe battait le Partizan de Belgrade le lendemain. Voilà. Très bien. Passons aux Warriors qui, mine de rien, nous impressionnent en ce début de saison, hein, avec un beau bilan, une seule défaite, 7 victoires et une équipe qui a évidemment changé avec le départ de Klay Thompson. On en avait parlé tous les deux. On ne s'attendait pas forcément à un aussi beau départ. Un plaisir. D'abord, je les aime bien. Je suis tellement fan de Steph Curry, de ce qu'il aura amené à notre jeu au basket. Il va rester dans l'histoire autant par ça que par les résultats et que de dire c'est le meilleur shooter de l'histoire. Il a changé le jeu. Et là, il n'était pas là en plus. Ils ont gagné deux sans lui, ce qui est remarquable. Et ils ont regagné après. Ce qui est encore mieux. Et même s'il n'y a pas Jaylen Brown, même s'il n'y a pas KP, Kristaps Porzingis, il faut y aller toujours au TD Garden. C'est une belle histoire. C'est une belle histoire avec ce Trace Jackson Davis qui est devenu pivot titulaire, avec les options que prend Steve Kerr de sortie de bande Buddy Hield qui est sur la planète Mars. À l'heure actuelle, Buddy Hield va au All-Star Game. Dans le niveau. Ah bah oui. Certains disent que c'est le nouveau Splash Bro. C'est comme quoi. Le mec qui joue à côté de Steph Curry, le mec qui joue aussi, même si Draymond Green, il a d'autres défauts, mais c'est quelqu'un qui sait jouer au basket et qui sait passer le ballon, les sorties d'écran, les timings, les poses d'écran. Kuminga, Podzemski, Moody, tout ça, ça a pris de l'expérience. Puis il y en a un autre qui est redevenu un vrai joueur alors qu'il avait disparu un petit peu des radars, c'est Wiggins, qui est absolument exceptionnel. Et Steph Curry qui est heureux. Et ça fait plaisir, parce que on a envie qu'il ait une fin de carrière, non pas en jouant la 12e, 13e place, et en nous régalant qu'au All-Star Game, au concours à 3 points, voir en play-off, le voir tirer des bourres avec les Lakers, les Clippers, les Nuggets et les autres. Mais les Warriors, c'est une excellente surprise. Steve Kerr a choisi son équipe. Kuminga progresse, Podzemski progresse. Ils ont une équipe qui est cohérente. Et puis il a imposé à Draymond Green de mettre des points. Enfin, imposé, il lui a dit tu ne peux plus jouer qu'en faisant du Rodman à la petite semaine. Il faut que tu mettes des points, on en a besoin. Ils ont toujours Looney qui est là, qui peut faire un backup. Le recrutement de Kyle Anderson, c'est intéressant. Melton, c'est intéressant aussi. Mais je la trouve très sympa quant à Buddy Hield. Je dis sans plaisanter, il est à un niveau All-Star là.
Il a un niveau All-Star. Vous me dites souvent qu'il faut pas, faut attendre un peu pour parler du All-Star. Oui, mais pour l'instant. Mais pour Buddy Chavano, puisque son vrai prénom c'est ouais. Chavano, qui est un joueur dont on voyait le talent. Moi, je l'avais vu à Rising Star au tout début de Bean. Ça devait être à Houston ou à New Orleans. New Orleans, je crois. Ça doit remonter, et, ça. Ouais, ouais, pas loin presque de 10 ans. Hein. Ouais, je crois que c'est 2014, ça draft. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Donc, ça doit être le premier ou le deuxième à New Orleans. Il est attendu comme un shooter exceptionnel. Bon, il s'est un peu perdu ici ou là, à toujours être copain avec le mec qu'il fallait pas. Sacramento, c'est terminé. Le passage à Indiana, où il a montré des choses, mais de l'irrégularité. Et là, il vient pur bonheur aux côtés de Steph Curry. Oui, ouais, c'est assez impressionnant. Pur bonheur. Il y a aussi un truc, et c'est chaque année un peu ça. Il y a toujours une dynamique qui s'enclenche bien dans les équipes qui vont recevoir le All-Star Game. Ah. Que ce soit Cleveland il y a 3 ans, que ce soit Utah, que ça, il y a une espèce de happening, voilà. Moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est que justement, tous ceux qui ont participé à la dynastie des Warriors avant, on a l'impression que ça y est, ils ont compris qu'il fallait passer à autre chose, faire confiance, et ça se voit avec le banc, à d'autres joueurs, changer. Le départ de Klay Thompson fait aussi un petit peu partie de toute cette révolution. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, dans le sens où ça y est alors peut-être pas une nouvelle ère, mais... Ça a été surtout leur dire, Klay Thompson, il voulait pas signer pour 1 an. Donc 2 ans ou 3 ans, ça bloquait encore. Peut-être Podzemski, peut-être Moody, ça décalait le coaching avec Kuminga, avec tout un tas de choses. Donc oui, ils sont investis, ils sont responsabilisés, Buddy Hield met dedans. Et il a cette caractéristique, comme Klay Thompson, d'être un bel athlète, même s'il est un peu moins grand que Klay Thompson, et puis de mettre dedans. Ouais. Et quand on joue à côté du génie qu'est Steph Curry, il y a toujours un peu de place. Et puis Steve Kerr sait bien tenir ses équipes, le système de jeu sont propres, les écrans sont posés. Trace Jackson Davis, c'est une bonne pioche à la sortie. Hein. Ouais, bien sûr. Il a l'air un peu pâteau, il a un côté balou un peu. Mais c'était l'intérieur qui manquait. Ouais. Il est long, qui a buste. Été raté avec Wiseman. Oui, bien raté. Ouais, Wiseman, c'est sa carrière qui est en train de se rater. Ouais, donc, encore blessé d'ailleurs. Ouais. Juste quand même, le calendrier qui les attend n'est pas non plus. Non, mais ils ont une victoire, une défaite, 8 victoires. 7 victoires. Oui. Mais il y a Cleveland, OKC, Dallas et Memphis au programme. Et dont 2 matchs sur Bean cette semaine. Évidemment que tout le monde va se jouer. Ouais. Cleveland aussi a eu des matchs. Plus abordable. Là, ils vont taper, ils vont jouer les Warriors, ça va être sympa à voir. Ce sont deux équipes qui sont, en cumulant le nombre de défaites des deux, c'est une sur 17 matchs, donc 16-17 matchs, donc c'est vraiment remarquable. Ouais, mais il va y avoir des affrontements de partout, là, de toute façon. Ouais, là, ça va. Il y a des séries qui vont tomber aussi. Mmh. Juste pour finir sur les Warriors, on le voit souvent passer chez certains journalistes américains qui parlent d'un possible gros trade, en tout cas la franchise serait celle la mieux placée pour un gros trade le plus rapidement possible. Est-ce que ce serait une bonne idée de rajouter un gros élément dès cette saison même? La question, c'est quoi? Qu'est-ce qu'avec cette équipe-là à l'heure actuelle qui joue bien, est-ce que cette équipe-là peut être championne? Je crois avoir la réponse. C'est non. Ouais. Est-ce qu'elle peut aller en finale NBA? Je ne crois pas. Non plus. Il faudrait un concours de circonstances beaucoup plus important que celui de 2022. On va rappeler que les Warriors sortent 3e hein, quand même, hein, c'est ça? Oui. Ils sortent loin, hein, 3 ou 4. Ouais, et encore. S'ils terminent 3e cette saison, c'est déjà énorme. Déjà à l'époque. Mais c'est encore plus important maintenant. Ouais. Donc, s'ils veulent être champions avant que Steph Curry n'arrête, avant que Dre Green n'arrête, il faut faire un trade. Mm-hmm. Oui. Dès maintenant, si l'opportunité se... Mais attention, il ne faut pas faire un trade avec n'importe qui. Pour prendre du genou. Hein. Par exemple, il y en a un qui a grogné un peu, c'est Giannis. Je savais que vous allez me parler de lui. Je donne 3-4 joueurs. Il n'est pas trop tenté par l'Ouest pour l'instant. Ouais. Hein, il est plus, mais après, ce n'est pas eux qui choisissent. Hein. Moi, je donne 3-4 joueurs, oui. Oui, parce que Steph Curry est encore propre.
ils ont de quoi faire. Le recrutement des vétérans est intéressant. Intéressant. Hein, Cal Anderson, slow-mo, dans la découpe de jeu, il arrive à faire des choses. Buddy, il en a parlé. Melton, ça joue. Ça fait du volume. Et tous les gars qui ont appris pendant les années de difficultés, là, les Moody, les Jackson Davis, tous ces gars-là, même Wiggins qui a été responsabilisé. On va se rappeler qu'en 2022, Wiggins, avant qu'il y ait ses problèmes personnels qui ont amené aussi, il y a eu aussi le décès de son papa, Mitch. Mitchell Wiggins, surnommé, il avait démonté Tatum, hein. Tatum avait été démonté par Wiggins au final NBA. Il y a même des gens qui poussaient qu'il pouvait être MVP. Il ne fallait pas exagérer, on l'avait déjà fait le coup en 2015. Ils avaient déjà fait le coup en 2016. Avec Iguodala. Avec Iguodala, 2016, c'est LeBron qui gagne. Forcément. Donc Curry n'a pas gagné. Non, c'est sûr. Mais oui, c'est vrai que Curry aurait pu mériter ce titre de MVP. Du. Ça restera. C'est rare de voir comme ça des joueurs, des superstars. C'est une superstar qu'il a eue, mais cette année, ce n'est pas la superstar qu'il a eue. Oui, c'est non plus. Ce n'est pas Jason Tatum, c'est Jalen Brown. Mais par rapport à Iguodala, il y a quand même un qui sortait du banc. Il y avait du hack Iguodala, même s'il a été très bon en défense sur LeBron. Il a mis dedans à 3 points, mais il était hacké quand même. Bon. Bref. On s'éparpille. Bravo à lui quand même. Bien sûr. Vous vouliez qu'on parle un petit peu du bas de classement à l'Est. Pourquoi? Bizarrement, ce ne sont pas les équipes dont on attend le plus. 1 et 6 pour les Sixers. Bon, ils ont gagné un deuxième. Les Bucks. Mais les équipes qui passent par là, dans l'histoire de la NBA, sont 150 équipes qui sont passées par là et qui étaient attendues plus haut. Il n'y en a que 12 ou 13 qui ont réussi à faire les playoffs. Alors, playoff direct à 8. À ce stade-là de la saison, c'est ouais, ça c'est tôt, mais quand c'est on tôt, parle... Ouais, oui. Alors après, il y a plusieurs choses qui font qu'à mon avis, même s'ils sont en galère, même si la blessure de Maxi... Ouais, 2 semaines normalement. Ouais, mais 2 semaines sur un truc aux ischios, aux adducteurs ou aux ischios. Ischios, j'ai vu. Ouais, on verra. Mmh. J'espère qu'ils ne vont pas le faire reprendre trop vite. Ouais. Dans l'attente de Embiid qui maintenant est suspendu, avec le retour de Paul George, il pouvait envisager avec Maxi, Paul George et l'équipe qui a gagné des matchs. Ça risque quand même un petit peu de ralentir le mouvement, mais il n'empêche qu'à l'Est, il y a pas mal d'équipes qui vont baisser de niveau. Les Knicks ont gagné que 3 matchs. Donc, il n'y a pas un écart. Mais il n'empêche que. C'est une situation très originale. Si on nous dit en début de saison, alors moi, perso, j'ai toujours mis Boston devant, mais derrière Philadelphie, derrière New York et les Bucks, donc je cite deux équipes qu'on retrouve dernière et avant-dernière jusqu'à hier. Ouais, c'est ça. Donc c'est surprenant. Après, ça reste l'Est et il y a des équipes. Orlando ne va pas pouvoir prendre d'avance parce qu'ils ont Banchero blessé. Les Knicks sont ralentis par leur mise en place parce que tout ça, les Pacers, Haliburton a des bobos, ils n'ont pas pris le rythme. Heureusement pour eux, ça leur permettra probablement de revenir. Mais il ne faut quand même pas trop traîner en route hein, parce si les Sixers se retrouvent à 2 et 12. Ça va faire vilain. Laquelle des deux vous fait le plus peur, s'il y en avait une qui pourrait... Pour se qualifier en play-in, pour passer comme ça, je pense que, sauf changement, les Bucks vont quand même s'en sortir, même en jouant à deux. À deux, j'entends, réduisant le basket à deux. C'est un peu ce qu'ils ont fait quand même hier. Philadelphie, il faut faire attention quand même, parce qu'ils ont perdu des matchs à la maison. On l'avait fait sur l'antenne, leur seule victoire, non, quand ils avaient été gagnés aux Pacers, d'ailleurs. Ric-rac, mais bon, ils l'ont ramassé. On a aussi envie qu'ils soient heureux et bien, parce qu'il y a Gershon et qu'on aime Gershon, qui va rejouer contre LeBron, là. Oui, ça cette va semaine. Être rigolo. Avec un record en carrière. 19 points, ouais, très battu, bien. Battu contre... Mais il va le faire. Je lisais aujourd'hui des gens qui disent de lui que il n'a jamais été considéré comme un joueur qui avait une chance à ce niveau-là.
Pardon, quand on est drafté 16e, on a un contrat garanti, on est premier tour, c'est qu'on est quand même attendu. Lui, ça se rate à Boston parce que Grant Williams lui prend la place. Et Grant Williams, à l'époque, était bien, bien bon avec les dirigeants et tout le monde, le staff sans doute, comme il a fait depuis. Et il est passé à la caisse pour tout ce qu'il fait d'ailleurs. Il est plus près de la sortie que de l'entrée, alors que Gershon vient de rentrer. Moi, j'aimerais bien le voir jouer avec Embiid. Parce que il va avoir des 5, hein. C'est quand même pas non plus son poste. Non, mais il donne de la force, il est tellement costaud au sol, il conteste. Ouais, avec Embiid à côté, il pourrait encore. Il aurait plus de liberté. Voilà. Il jouerait vraiment le poste dans lequel il avait avec les Bleus, en tout cas. Son poste, poste aussi. 4, au Real. On voit bien qu'au Real, en Euroleague, il souffre terriblement. Mm. Et que le départ de Vincent et de Gershon, Vincent Poirier, qui est parti à l'Anadolu Efes et Gershon aux Sixers, eh ben, il le paye un peu la Casabianca. On ne va pas parler du départ de Fabien, mais moins de Français, ça marche moins bien cette année. Dans d'autres sports, il y a des Français qui arrivent et ça marche. Bon, on a dit qu'on n'allait pas en parler. Si, on peut en parler. C'est toujours triste quand un joueur a un coup d'arrêt dans sa carrière et les raisons ne sont pas que sur le terrain, très clairement, mais dans l'entourage, très certainement. Mmh. On parle de Kylian Mbappé, là. Hein. Oui, pardon. Il faut être clair, on ne va pas faire non plus. Oui. Juste pour finir sur les Français, on peut quand même redire un petit mot sur la perf de Zacharie Zaché. Elle mérite d'être surlignée, soulignée. Oui. C'est rare que... Alors, c'est un numéro 1 de draft. Il est attendu comme tel. On a vu des numéros 1 de draft. Hein, Kwame Brown, Pervis Ellison, celui qui avait fini en Turquie, qui avait été drafté par Cleveland, Anthony Bennett. Bennett. Des flops terribles. Eh ben, Zach ne fait pas partie de cette catégorie-là. L'absence de DeAndre Hunter lui fait du bien au niveau minute. Le fait qu'il clique pas mal avec Trae Young, qui lui a quand même passé l'année, l'été, à penser qu'il allait être tradé. Finalement, c'est Dejounte Murray qui a été pris, pas l'été, le printemps. C'est Dejounte Murray qui a été pris à l'extérieur parce qu'il n'y a pas grand monde qui a voulu donner ce qu'il fallait pour Trae Young. Peut-être que ça lui a fait comprendre des choses. Je le trouve plus mature, moins foufou. Plus appliqué en défense, même si c'est Dyson Daniels et Zachary qui défendent le plus souvent sur le meneur d'en face, quand il a du talent d'attaque. Voilà, Trae Young est plus en place. Jalen Johnson, c'est bien Jalen Johnson. Oui, c'est ça. C'est Jalen. Ouais, le 3. Le poste 4-3, oui, oui. 4 plus, qui a remplacé Collins, quoi, en gros. Oui. Voilà, non, ça joue bien. Ils sont toujours sans Bogdanovic et sans Hunter. C'est pas mal. C'est pas mal. Voilà. Et que notre... Il y a de la place pour l'instant à l'aise, justement. Oui, puis Zach, c'est un joueur complet. Là, il a fait 6 sur 10 à 3 points. Ouais. Il a tout pété. On a vu que Bilal a fait son record à 27 points, que Alexandre Sarr se débrouille bien, même si à 3 points, il manque de réussite, que Ousmane Dieng fait partie de la rotation à OKC, que Ryan Rupert a eu un bon passage, là ça a été plus dur hier, bah, à San Antonio, ou Sidi Soko joue peu, mais il est quand même dans la rotation, dans la rotation en tout cas dans l'équipe. Victor, on en a parlé longuement dans l'émission, il faut arrêter de découper les stats, quoi. Il faut arrêter de découper sans arrêt les chiffres. Il y a beaucoup de shoot à 3 points, un mauvais pourcentage à 3 points, 22-7 c'est mauvais, mais c'est ce qu'ils veulent, développer ça. Il y a un côté Dirk Nowitzki, je le dis et le répète, dans l'évolution de son jeu. L'essentiel, c'est que les Spurs gagnent quelques matchs et ils en gagnent. Donc voilà. 4-5. Et on va avoir une pensée aussi dans ce podcast pour Greg Popovich, en espérant qu'il revienne vite, parce qu'il y a toujours de l'inquiétude quand il arrive un pet, probablement, enfin j'imagine, je ne sais pas, donc on ne va rien dire, mais on sait pas, à 75 ans, c'est jamais bien. Bon, quand on est obligé de renoncer à quelque chose, juste avant, donc il a été saisi par quelque chose, ce n'est pas quelque chose qui a été, comment dire, anticipé, c'est quelque chose qui a été subi. Voilà, on va lui souhaiter le meilleur au druide. Qui trouvent la bonne potion et qui reviennent. Voilà. Et ben on va terminer sur ces belles paroles et on vous retrouve, on vous souhaite un bon week-end et on vous retrouve. Week-end studio avec les fans, avec tout le monde. Ah bah à vous, à chaque fois, les week-ends sont chargés, hein, pas de repos. Hein. Voilà. C'est quoi le match du SNL dimanche C'est Bucks Boston à Milwaukee. Pas mal.
Et on a un petit Spurs à 23h. Demain soir, le Jazz. Le Jazz qui n'est pas au mieux, mais il y a le gros Kessler, il y a Mark Cannon pour remuer avec Victor. Et puis voir ses Spurs avec le petit Castle qui apprend beaucoup et vite, numéro 4 de la draft. Ouais. Qui, à la suite de Chris Paul, apprend beaucoup de choses auprès de Chris Paul, du staff, bien sûr Greg Popovich. Et puis jouer avec Victor pour un jeune joueur. C'est la garantie d'avoir une équipe qui va gagner quelques matchs dans l'avenir. On l'espère, on l'espère. Eh bien voilà, on vous laisse là-dessus et on se donne rendez-vous lundi prochain. Salut, salut !